cheveux. Mais je voulais quand même vous montrer mes cheveux lisses pour toutes les personnes qui me suivent pas sur Snap et Instagram. D'ailleurs, vous faites quoi, vous? Quel est votre objectif? Vous ratez les avant-premières? C'est-à-dire, moi, quand je fais un truc, je l'annonce tout d'abord sur Snap et Instagram. Et oui, mais vous êtes où? C'est une perruque, quelle part? Non, non, c'est pas une perruque. C'est pas une perruque. C'est bien mes cheveux. Je les ai coupés, je les ai lissés. J'ai gardé cette coiffure-là pendant 2 semaines. Et là, je vais revenir au naturel. En direct, en même temps que vous. Enfin, je vais aller me laver et quand je vais revenir, du coup, je vais voir mes cheveux. J'ai pas peur, j'appréhende quand même de voir si je vais retrouver un volume et tout ça. J'ai tourné une vidéo où je me lissais les cheveux. Mes cheveux m'arrivaient ici, hein. M'arrivaient là. J'ai coupé les pointes. La coiffure ne me plaisait pas, j'ai dit j'ai envie de changer de tête. C'était même pas une histoire de cheveux abîmés en fait, parce que j'avais coupé mes pointes comme je vous l'ai dit. Là c'était une histoire de j'avais envie de changer de tête. Je vais essayer de vous mettre une photo de mes cheveux quand je les ai lissés, ou alors la vidéo de quand je les ai lissés quelque part ici, pour que vous puissiez voir la longueur. Ah non, je te le dis franchement, j'ai fait quick, et ça m'a même pas fait un peu mal au cœur. Dire que j'étais même soulagée en fait, je me suis sentie libre. Je suis une nouvelle femme. Voilà, j'ai fait une sorte de carré. Je précise que c'est moi qui ai coupé mes cheveux moi-même. Oui, je suis pas peu fière. J'ai mis hier soir de l'huile d'olive sur mes racines jusqu'à mes longueurs. Je vais retourner au naturel. J'ai hâte, j'ai trop hâte parce que mes cheveux naturels vont tout simplement manquer. Bon, la team, je vais pas parler plus que ça. On va directement passer aux choses sérieuses. Je suis de retour, je me suis lavé les cheveux, j'ai utilisé cette serviette. Là, d'ailleurs, je fais de gros bisous à la personne qui me l'a envoyé. J'espère qu'elle verra cette vidéo. J'ai pas regardé mes cheveux, j'ai peur. Oh my god! Oh, ça me fait trop bizarre. Sans crème dedans encore. Je vais me coiffer en direct. Cette crème, ça a été une révélation pour moi d'ailleurs. Voilà, voyez, est-ce que ça, c'est de la marque Sunny Isle, qui est un leave-in en fait, à base d'huile de ricin de Jamaïque que j'ai eu grâce à la Fibrani Box. Je vous en ai pas parlé de cette box là, mais vous pouvez retrouver un tutoriel des produits sur Instagram. Donc, je vais utiliser ça et un peu de beurre de lavande comme ça. Que j'ai eu aussi dans la Fibrani Box, une tuerie. Un beurre en huile. Enfin, une huile en beurre. Une tuerie. Franchement, il y a des concepts vraiment, je trouve, qui sont trop bien. Je vais faire par section. Mais what? Ça me fait trop bizarre d'avoir les cheveux aussi courts, genre. Ah, oh, ça me fait du bien de rien piquer. Et une crème consistante sur mes cheveux. Yeah. Oh yes baby. Je vais faire un truc très rapide parce que j'ai quand même envie d'avoir beaucoup de volume. Donc je veux pas que mes boucles soient trop rigides. C'est pour ça que j'utilise pas de gel aujourd'hui. Je vais utiliser que de la crème. J'ai oublié d'utiliser le beurre capillaire. Oh my god. Beurre capillaire qui est comme ça, hein, une texture vraiment de beurre. Il sent la lavande, mais l'odeur s'estompe heureusement parce que c'est pas une odeur que je porte dans mon cœur finalement. Je vais en mettre sur tous mes cheveux comme ça. Bon, voilà une partie de cheveux. Je vais faire l'autre. Le rendu après avoir mis de la crème sur mes cheveux. Là, je vais faire mes edges et ensuite je vais passer au sèche-cheveux. Donc vraiment en fait là j'utilise le sèche-cheveux juste pour voir à quel point mes cheveux peuvent être volumineux. Mais je le ferai pas tout le temps parce que j'ai toujours été contre les trucs à chaleur. Mais là je sais pas, ma crise elle m'a pris depuis quelques temps donc... J'utilise le gel Eco Styler à base d'huile de ricin de Jamaïque et ma brosse à dents spéciale Edges. Vous êtes adorables, merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des commentaires sous mes vidéos YouTube, ça me fait ultra plaisir, vraiment. Ça me fait trop plaisir d'avoir des retours simplement sur ce que je fais, savoir si ça vous plaît, si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce type-là. Faut
faut pas que vous ayez peur de laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Messages, commentaires, DM, tout ce que vous voulez, je réponds à tout. Et d'ailleurs, avec certains membres de la Precious Team avec qui j'ai tissé de vrais liens, je suis sûre que si je vous croise dans la rue, je vais vous reconnaître. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment, avoir une communauté, c'est pas que des vues, c'est pas que des likes, c'est pas que des... Il y a réellement, moi ce que j'aime, c'est le contact en fait avec une communauté. Donc. Et maintenant, on va passer au sèche. J'utilise le Babyliss Expert 2000. 2100, ah, attention, 2100 chérie. Attends, non, c'est un autre level, d'accord. Faut pas confondre le 2000 et le 2100. Donc voilà, ça doit faire, regardez, il est poussiéreux le truc. La boîte elle est poussiéreuse, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ah mais je pensais que j'avais un embout diffuseur. Si vous voyez que je regarde très souvent là, c'est simplement parce que, mais en fait je me trouve trop mignonne comme ça. C'est tout simplement parce que j'ai mon... Parce que j'ai un miroir, d'accord. Waouh, le changement. Oh. Waouh. Ah ouais, waouh. Enfin, ça change énormément. Enfin. Mais là, en fait, c'est le fait d'avoir les cheveux courts et bien coupés là. Oh. J'aime trop la suite, je suis sur la montagne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que... Pff, on filmait, c'est un truc de fou. Là, par contre, j'attends vos retours en commentaire. Si vous n'êtes pas en commentaire, moi, j'arrive. Je vais vous réprimander la team. Non, dites-moi en commentaire si la coupe me va bien. J'ai quand même eu pas mal de courage, hein, pas mal de cran. Je vous fais de gros bisous, la team. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui sont en préparation. J'ai pas mal d'idées. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche aussi. Je vous fais d'énormes bisous. Merci pour tout votre soutien. Merci pour tout votre amour en commentaire, sur Instagram, sur Snap, partout. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye, y'all.